Re-coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un room tour. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite. Donc là voici mon grand miroir. Ne faites pas attention à parce que c'était pas mon miroir, c'était le miroir de mon grand frère et il me l'a passé parce que voilà. Mais j'arrive pas à le décoller et en plus ça va faire des traces si je le décolle donc je vais rien faire du tout. Donc on va faire de ce sens-là. Voilà, on va arriver à la fin ici. Et donc voilà, c'est parti. Donc ici, il y a mon armoire. Donc en haut, il y a les draps, les housses, les oreillers en plus pour quand j'invite les amis. J'ai aussi mon costume oriental que je vous ai fait montrer dans le haul précédent. Puis voilà, les choses que j'aimais plus. Donc ici, il y a des vestes, des pulls. Enfin, en fait, c'est très gai par saison. C'est hyper... C'est... Voilà. C'est hyper trié par saison parce que c'est mieux comme ça. Parce que je me retrouve plus et c'est beaucoup mieux comme ça. Et voilà quoi. Ensuite, en dessous, c'est les sacs que je prends plus. Les sacs que j'utilise plus en fait. Enfin, que j'utilise plus. Que je prends pas souvent. Les maillots de bain. Les affaires de piscine, etc. D'été, etc. Les chaussures d'été aussi. Que je mets pas pour l'instant, que je mettrai à l'été, en été. Ensuite ici donc il y a des joggings, il y a donc là c'est les débardeurs, les chemises, les hauts, etc. Et aussi ma jupe ici. Donc là, là c'est un pyjama. Hein. Vraiment désolée si c'est pas plié comme ça, je suis une bordélique. Donc il y a des joggings, il y a là c'est les pantalons, les pyjamas longs et là c'est les pyjamas courts. Il y a de tout. Donc là c'est les leggings, les bas, les robes, etc. Donc il y a pas tout, hein, évidemment. Donc ici il y a mes sous-vêtements. Donc il y a une boîte pour quand j'ai mes règles et là j'ai une boîte de sous-vêtements tranquillement. Ici, c'est les écharpes. Il y a aussi mon gant. Il y a aussi mes gants, mon bonnet. Et là, c'est le sac que j'utilise tout le temps. Donc, je mets là. Et donc, voilà. Donc, en dessous, ça, la grosse boîte, c'est les chaussettes. Il y a aussi les collants dans une pochette. Et puis là, ce sac-là, j'utilise pour les ceintures. Il y a aussi mes talons au fond. Il y a aussi les parapluies en dessous du sac. Puis voilà, tout simplement. Ensuite ici, c'est les affaires que je mets plus, que je vais vendre ça sur Vinted. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Ensuite ici, donc là, sur le mur, donc il y a tous les animaux, etc. Tout ce que j'adore. Là, il y a plein de sacs quand je fais des achats, etc. Ça m'aide énormément. Donc là, il y a trois nounours. Ne me jugez pas parce que moi c'était ma folie quand j'étais petite et ça me rappelle beaucoup mon enfance. Donc ça c'est le dernier doudou qu'on m'a acheté. Ça vient de mon père, donc c'est le dernier souvenir que j'ai de mon père. Non, il est pas mort, mais ça me touche beaucoup, donc je le garde. Ça c'est idée fixe, ça me rappelle beaucoup mon adolescence, mon enfance, donc je le garde. Et ça c'est le dernier doudou que j'avais. Donc je le garde aussi. Je ne me sens pas, je m'en séparerai pour rien au monde. Rien. Jamais. Donc il y a des. Donc de ce côté-là, il y a les chiffons. Il y a aussi ma souris de ordinateur. Ici, donc là, c'est le stock. Il y a de tout. Il y a les stylos. Il y a aussi un ciseau. Il y a les gommes. Il y a les intercalaires. Enfin bref, il y a de tout. Ensuite, il y a un chapeau, donc je le mets ici parce que j'utilise très rarement, très souvent même. Quand il fait chaud, etc., ben je le mets. Voilà, donc ça, il y a des papiers, etc. Donc dedans. Excusez-moi. Donc dans ce tiroir-ci, il y a tout ce que je n'utilise pas. Enfin, il y a de tout. En fait, il y a les boîtes que je mets aussi. Tout ce qui est pour électrique, donc les câbles de téléphone, les batteries, les coques aussi, je sais c'est doux, les coques, enfin bref, il y a beaucoup de choses et je crois que je mettrai ça. Enfin, je peux pas le mettre, je peux pas le vendre parce que ça s'accroche au téléphone,
Voilà, donc je peux pas le vendre, c'est dommage, mais je le garde quand même en cas où. Mais je sais que je n'utiliserai pas. Il y a aussi des posters, il y a un dictionnaire, il y a plein de trucs, il y a des bécherelles, etc. Je sais que je ne l'utiliserai pas, mais je le garde en cas où ça peut servir. En cas où, je sais pas, moi j'ai une phobie et des fois j'ai rêve. J'ai peur qu'un jour il n'y a plus d'internet, donc je garde toujours. On sait jamais. Alors ensuite, donc ici c'est tout, les papiers importants, les photos, etc., les dessins, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Ici c'est les occupations, donc il y a les coloriages, il y a, j'ai trié tous mes feutres et tous mes crayons couleurs, donc il n'y a pas beaucoup. Mais j'avais vraiment un tas de choses. Donc là, il y a les carnets, il y a les choses que j'utilise pas encore, mais qui sont vides et que je vais utiliser quand ça sera plein en fait. Voilà. Donc il y a de tout. Ici, c'est mon bureau. Alors, ne jugez pas le bordel qui est dessus. Moi, je me retrouve. Je sais pas comment je fais, mais je me retrouve. Donc je vais m'asseoir, ça va être plus pratique. Donc là, c'est pourquoi il y a un tel bordel? Parce que je viens de faire une autre vidéo que je vais bientôt poster. Et puis voilà, il y a plein de choses que je dois faire. Enfin bref, il y a beaucoup de choses, mais je me retrouve. Et voilà, voilà, c'est mon bordel, mais je me retrouve. Ensuite, bah, il y a mon étagère. Hein. Donc comme je vous ai dit dans le vlog précédent, il y a les Calendar Girls ici, il y a les trois pop des mangas que j'ai mis, donc de Final Fantasy, non, de Kingdom Hearts 3, Natsu et puis Lucy. Donc là, c'est tous les Fairy Tail et pas que. Il y a aussi de l'auteur de Fairy Tail. Donc là, il y a tous les romans que, au fond, il y a tous ceux que j'ai finis et là, c'est la suite. Donc là, c'est quand ils sont tout seuls, en fait, tout simplement. Donc là, j'ai mis ça de côté parce que je dois avoir une autre étagère. Là, je dois donner ça à une amie. Ça, c'est des livres que je vous en parlerai. Ça, c'est des livres finis, vous savez. Donc ici, c'est les petits colliers. Les petits colliers, donc je ne peux pas vous faire montrer parce qu'il y a ma lampe ici. Donc voilà mon rangement make-up. En dessous, c'est le bordel. Mais j'aimais mes déguisements en fait. J'adore me déguiser, surtout à Halloween. Je sais que je suis une gamine, mais moi j'assume complètement ce que je suis. Donc j'ai une âme d'enfant malgré que je suis adulte, mais j'adore me déguiser. Surtout quand en fait ça me donne des idées pour mes histoires et aussi pour Halloween, pour les choses comme ça et aussi pour les vidéos. Donc voilà, je garde mes déguisements. Quoique, ça me fait plaisir. Donc ça, normalement, il y a tout ce qui concerne pour la manucure. En dessous, donc, soit il y a les stocks. Avant, je mettais les produits finis, mais maintenant, je les mets dans un sac. Ici, bah, c'est tout de filles. Ça, c'est les pochettes, en cas où si je pars en voyage, tout ce que j'ai. Et on va passer au rangement make-up. Alors, vous voyez. Donc il y a un miroir ici, il y a une vitre ici et une autre vitre ici. Donc sur ce côté-là, il y a une boîte de chouchou d'élastique. Dans ce petit rangement ici qu'on m'avait acheté à Action, je crois, ou à Little Price, je ne sais plus. Mais en tout cas, on me l'avait offert. Donc il y a tous mes pinceaux que je mets là. Il y a juste mon mascara. J'ai pas grand-chose de maquillage parce que je me maquille pas souvent et c'est pas ma passion en fait. Et voilà, chacun sa passion. Donc un petit miroir de poche en cas où si je suis en cours, etc., j'en ai besoin. Donc un masque, un fond de teint, mais je sais pas pourquoi je l'ai encore parce que je l'utilise pas en fait. J'utilisais pour l'hiver parce que c'est une teinte assez claire, mais voilà, je sais pas pourquoi je l'ai, mais je le garde en cas où. Donc ça, c'est un eyeliner. Donc il y a un lipstick mat Rimmel. Non, Revlon, pardon.
Revlon. Donc là, un lentisin que je vous ai fait montrer dans mon maquillage de tous les jours. Je ne sais plus. Un rouge à lèvres de ce côté-là. Donc il y a un rouge à lèvres aussi de ce côté-ci. C'est le premier Sephora que j'ai, le premier rouge à lèvres Sephora que j'ai. Voilà. Ça se voit beaucoup que j'utilise pas ou que je me maquille pas parce que c'est sûrement pour les occasions. Hop, je préfère être naturelle que trop maquillée, c'est beaucoup trop pour moi. Donc un kabuki, je sais pas pourquoi il est là, il est sale. Un polissoir et un taille-crayon. Donc j'utilisais pour les crayons, je n'attends même pas, j'ai utilisé pour les crayons pour les yeux. Mais vu que je n'en ai plus, je garde ici, on ne sait jamais si ça peut servir, si j'en ai encore besoin, on ne sait jamais. Donc un vidéo. Donc voilà, un décollier ici, je les mets ici parce que j'ai plus de place. Là, c'est des bijoux. Donc dans cette petite boîte, c'est les bijoux, donc des boucles d'oreilles et des bagues. Hop. Donc là, dans cette petite boîte-là, c'est un peu comme mes trésors parce que vous voyez le collier là. Il est hyper brillant, il est super beau. Le bracelet aussi, je crois que je le mets souvent, donc c'est pour ça que je le garde ici. Voilà. Donc là, c'est des bracelets que je garde. J'en ai pas beaucoup, mais j'y garde. C'est sentimental parce que ça vient de mes amis, donc des lingettes. Dedans, il y a une montre. Je sais pas pourquoi elle est là, mais elle est là. Ça, c'est ma phrase de tous les jours. Mais elle est super belle. Ça, je l'avais commandé sur Veovia. Ça, c'est un site super génial. Chinois aussi, mais c'est super génial. C'est encore mieux que Wish. Voilà, super beau. Donc, une brosse. Il y a aussi un lait pour le corps. Je le mets là parce que si je l'utilise pas... Enfin, si je le vois pas, je l'utilise pas. Donc, je crois que je vais l'utiliser ce soir. Ouais, ce soir. Donc, une crème pour... Une crème solaire, voilà, l'OVA, qui est super pratique, en spray. Deux dentifrices, donc une... voilà, une brosse à dents, un polissoir encore, mais en forme de lime. Donc un rasoir ici avec une petite pochette Hello Kitty. Une lime. Mais cette fois-ci en vert. Donc là, voilà pour la petite place. Donc les deux palettes que j'ai toujours. Donc Miss Cop, c'est les seules que j'ai en fait. Ils sont pas très connus. Celle-ci, c'était de Noël. Et c'est pas Noël dernier, ça vient de très très longtemps. Mais ils sont encore bonnes depuis le temps. Je les utilise rarement, donc mon lisseur. Il y a aussi des chiffons en cas où si je mets du maquillage partout, etc. Bah, j'ai tout ce qu'il faut. Et ça vient de tomber. Donc la pochette pour mon lisseur, si je voyage. Des mini pinceaux pour tout. Donc pour les yeux et pour le teint. C'est super pratique parce que comme ça, quand je pars en voyage, j'ai juste à prendre cette pochette et la mettre dans mon sac, mais je le fais jamais. Je le fais jamais, j'emporte toujours mes grands pinceaux, mais je devrais quand même. Super pratique, donc un collier d'amitié, encore des chiffons, il y a plein de chiffons, comme ça c'est mieux. Donc encore un collier. Et voilà pour le make-up. Voilà pour le make-up. Ah bah voilà. Il était où? Je cherchais partout alors qu'il était juste là. Voilà. Donc en dessous, là, je vous ai dit. Donc à côté, il y a ma petite table de chevet qui est juste à côté. Donc il y a deux livres que je devrais lire, mais je les mets jamais. Je les lis jamais, donc il y a ma pilule. Hein. Voilà, faites pas attention, mais c'est ce que les filles ont. Donc truc de la Bible. Et tout ce qui concerne les jeunes, donc il y a de tout, les harcèlements, les confiances en soi, etc. Donc une bouteille,
ma petite poubelle qui est là, petite lampe ici, et mon lit qui est un bordel. Voilà, donc ne faites pas attention à ça. Je vais mettre ça au sale quand je vais faire ma douche. Et maintenant, au mur. Alors au mur, il y a plein de choses affichées. Parce que j'adore afficher des choses sur le mur et quand je partirai, ça me fera mal au cœur. Mais il va falloir que je décroche tout ça. Donc, je sais que ça date, mais j'adore cette image. J'adore ce poster. Bella, elle est trop trop belle. Donc, je l'adore. Donc, Taj, c'était un peu ma chanteuse préférée, mais c'était un temps. Mais je sais pas pourquoi je l'ai encore. Mais je la mets là. Ensuite, c'est un énorme poster qu'on m'a passé d'une amie intime. Et franchement, magnifique quoi. C'est un drama japonais. Ça s'appelle Ana Yori Dengo. Ça vient aussi d'un animé. Et voilà. Il est vraiment génial, ce drama. Si vous ne connaissez pas, regardez-le. Mais c'est la base, quoi. Donc, ici, c'est des dessins que j'ai faits. Et aussi des images que j'aime bien. Donc, ici, c'est un rouge à lèvres de Yves Saint Laurent. Parce que j'aimerais bien tester cette marque un jour. Parce qu'en fait, ça fait montrer que j'adore le make-up. Donc, je mets ça là. Donc, la mode. Donc, il y a de tout. Voilà. Il y a les deux choses de Halloween. Donc, le make-up et aussi la tenue. Là, ici, c'est des chaussures que j'aime bien. Elles sont toutes belles et toutes brillantes. Donc, encore des tenues. Donc, à côté. Donc, là, c'est les fleurs de cerisier stickers. J'ai acheté ça à Jiffy, ça fait longtemps, mais j'ai voulu mettre ça parce que ça fait penser au Japon. Et voilà. Donc, des petits dessins de la nourriture pour faire dire que je suis vraiment, mais clairement, une grosse bouffe. Donc là, j'adore ce personnage, donc je l'ai mis là. Ici, c'est des amis intimes, donc voilà. Là, c'est des familles, la famille. Et là, c'est un calendrier chinois. Voilà. Pourquoi 2018? Pourquoi j'ai mis 2018? C'est pas grave, ça me fait penser à... En fait, c'est ma mère qui me l'a passé. Parce que j'aime bien aussi le chinois, donc... voilà. Donc ici. Ici, on passe ici maintenant. Donc ici, il y a tous les dessins Disney. Donc, il y a une partie Disney, là, une partie manga. Donc, il y a Fairy Tail, hein, bien sûr. Mon amour pour Fairy Tail. Donc, il y a le tout. Et là, ici, c'est les dessins qui font partie des livres, en fait. Des livres que je recopie dessus. Enfin, que. Des images que je recopie, des livres que j'achète. Donc, voilà. Voilà. Donc. Et donc, là. C'est ma partie préférée parce qu'il y a tout ce que j'aime. Donc, il y a les parfums parce que c'est ma collection. Je les adore. Il y a les vernis aussi. Un temps, j'aimais bien faire mes ongles, mais je fais plus mes ongles. Regardez-moi ça. Même pas de respect pour mes ongles. Donc, parfums. Voilà. L'héritier, donc j'ai le Nina, j'ai le Bella et j'ai le Luna en grand format. J'ai le bonbon aussi, qui sont hyper bons, mais j'adore. Un parfum de Yves Rocher, le clin d'œil. Il y a aussi de Avon, ça fait très longtemps ça date. Il y a aussi des petits échantillons, au cas où si j'ai envie de mettre du parfum, bah je mets là. Une petite pop aussi de Groot. Regardez-moi ça, il est trop mignon. Donc voilà. Donc ici, c'est les livres que j'ai tout fini, en fait, que j'ai fini de lire, je les mets là. C'est ça, ça me fait... J'adore les poster, les faire montrer, voilà. Donc il y a encore des livres. J'étais censée mettre les Calendar Girls ici, mais ils ont tombé. Donc voilà, donc dans chaque case, il y a des marque-pages. Donc ici, il y a les pop de... Du Roi Lion. Ici, il y a les autres pop, donc il manque une parce que j'en ai donné une à une amie. Et voilà. Voilà. Donc là, c'est les DVD, j'en ai pas beaucoup. Là aussi, c'est des livres. Et là, c'est les marque-pages à côté.
Voilà. Donc là, c'est les DVD. Je ne vous montre pas les DVD que j'ai finis. Là, c'est les gros formats. C'est les romans gros formats que je mets là. Et aussi, il y a une BD. Et là, c'est tout petit. Voilà. Donc avant, je mettais une pile entière de livres. Et ça ne me donnait pas envie de lire. Mais maintenant, ça me donne envie parce que vous voyez, ça fait hyper longtemps. Mais ça fait moins, en fait. Ça fait moins de... ça me donne envie. Et donc là, il y a les DVD. Là, dedans, il y a des marque-pages ou des choses qui sont précieuses pour moi. Donc, c'est un peu mes trésors. Donc, voilà. Il y a ma petite télé aussi. Voilà. Il n'y a pas grand-chose, sinon. Il y a aussi des fleurs de cerisier ici. En stickers. Donc, il y a trois parties. J'aimais bien les mettre ici, en fait. C'est plus mieux. Et voilà, le mettre au-dessus, mon lit. Enfin, il n'est pas vraiment... au milieu, mais ça fait bien, c'est très joli aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.